Bonjour, you are listening to Cultivate Your French podcast, one slow French episode every week. My name is Laetitia, I'm French, I live just outside Paris, and I share with you a small slice of my everyday life here in France. I also run the podcast One Thing in a French Day since 2006. All the information about the transcripts, notes and photos is available at cultivateyourfrench.com. Today we are going to the restaurant. Yes, before the holidays began, before the second lockdown began, on a sunny day, my friend Anne-Laure and I went to Paris for a day. We first went to the Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris to have a look at a painting from Robert Delaunay, L'équipe de Cardiff. Anne-Laure had chosen this painting because she really enjoys Robert Delaunay's work. He did that painting in 1912. It's a large painting, more than 3 meters high and 2 meters wide. It represents a rugby team playing in front of the Tour Eiffel. Robert Delaunay was involved in a research about color. The color of these paintings are vivid. They give the impression of movement. On this painting, there is also an airplane, the Grande Roue, and the Eiffel Tower. These are the symbols of modern Paris at that time. As I was standing in front of this painting, I could really feel in my eye the colors. There was a physical sensation. Naturally, my eye then moved to the more peaceful part of the painting, the sky. After watching the painting, Anne-Laure and I went to a restaurant close to the museum. We recorded ourselves inside the restaurant. This is what you are going to hear in today's episode. Et maintenant, parlons français. Je vous lis le texte une première fois lentement et ensuite, vous entendrez notre enregistrement, donc à vitesse normale. C'est parti! Vous entendez l'ambiance? Anne-Laure et moi sommes au restaurant. Anne-Laure connaissait un petit restaurant, enfin petit, il est quand même, qui s'appelle Les Routiers. Le principe des restaurants de routiers, c'est que c'était des restaurants avec de la cuisine un peu comme on aurait à la maison, que les routiers qui s'arrêtaient pouvaient venir manger. En général, ils se retrouvaient entre copains. Il y a pas mal de restaurants de routiers à travers la France. Et donc, il y en a un juste à côté du Musée d'Art Moderne de Paris. Je pense qu'il y a très peu de routiers dans la salle. Mais il n'en reste que c'est un moment sympa. Je vais laisser Anne-Laure vous dire ce qu'on a choisi. Alors, on a pris le plat du jour, qui est d'abord un velouté de lentilles au saumon, et ensuite un pot-au-feu, quelque chose d'assez typique de la France. Un plat qui va nous réchauffer, voilà, roboratif. Dans le pot-au-feu, je vous en ai déjà parlé dans le podcast il y a longtemps. Nous avons différents morceaux de viande de bœuf. C'est précisé sur le menu. Du paleron, de la queue de bœuf et du bouillon à la moelle. Il y a aussi des carottes, des pommes de terre et des poireaux. Eh bien, maintenant, on va déguster. Et maintenant, le texte à vitesse normale. Vous entendez l'ambiance? Anne-Laure et moi sommes au restaurant. Anne-Laure connaissait un petit restaurant qui s'appelle, pas petit, il est quand même, qui s'appelle Les Routiers.
Donc le principe des restaurants de routiers, c'était que c'était des restaurants avec de la cuisine un peu comme on aurait à la maison, que les routiers qui s'arrêtaient pouvaient venir manger. En général, ils se retrouvaient entre copains. Il y a pas mal de restaurants de routiers à travers la France. Et donc, il y en a un juste à côté du musée d'art moderne de Paris. Alors, bon, je pense qu'il y a très peu de routiers dans la salle. Mais bon, il n'en reste que c'est un moment sympa. Et Anne-Laure, je vais laisser Anne-Laure vous dire ce qu'on a choisi. Alors, on a pris le plat du jour, qui est d'abord un velouté de lentilles au saumon et ensuite un pot-au-feu, quelque chose d'assez typique de la France. Un plat qui va nous réchauffer. Voilà, roboratif. Et donc, dans le pot-au-feu, bon, je vous en ai déjà parlé dans le podcast il y a longtemps, nous avons différents morceaux de viande de bœuf. Alors là, c'est précisé sur le menu, du paleron, de la côte bœuf et du bouillon à la moelle. Il y a aussi des carottes, des pommes de terre et des poireaux. Eh bien, maintenant, on va déguster. Cultivate Your French, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir.